Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se met aujourd'hui sur Yoshi's Story parce que du coup, la console virtuelle de Nintendo 64 vient de sortir sur le Nintendo Switch Online. J'avais envie de fêter ça. Donc go! J'ai jamais encore joué à Yoshi's Story, donc c'était vraiment l'occasion. Autant les jeux qui me parlent le plus, c'est Zelda, Ocarina of Time et Super Mario 64, je les ai déjà fait il y a peu de temps sur ma chaîne. Je vous invite à chercher, ou alors si jamais j'ai la motive, je le mettrai ici dans le petit i. Si j'ai la foi. Donc peut-être qu'il n'y aura rien et que vous devrez chercher vous-même. Mais voilà, sachez que c'est déjà fait. Je vois pas trop l'intérêt de le refaire tout de suite, donc j'avais envie de faire Yoshi's Story, qui est en plus un jeu que j'avais envie de faire depuis il y a un moment. Dieu, quel ton maigre. Si j'ai le foie. Je n'ai plus de foie, sachez-le. Coucou Maldo, passage du coup, coucou Phaser, j'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure. Bonjour YouTube, Katen est presque bourré. Non, ça va, j'ai été bien bien pire. On va aller dans le story mode. Alors, de ce que j'ai compris, il est question de collecte de fruits dans chacun des niveaux de Yoshi's Story. Merde, j'ai commencé par le niveau 3. Bien, les chaos sans dénonce sur ton état de fatigue. 3 bières. Faut que je récupère des bananes, c'est ça? Il me semble que voilà, il y a 30 objets, il y a 30 fruits à récupérer. Ok. Did you know? Le saviez-vous? Faire une attaque rodéo sur un masquasse va changer sa couleur. Eating Shy Guys wearing Yoshi's favorite color will add a bonus to your smile meter. Alors, le smile meter, je sais même pas ce que c'est encore. Ah ouais, mais attendez. Serait-il pas mieux quand même que je commence par le... Bon, écoutez. Putain. Ah, quel con. J'ai mis la console en veille. Tout va bien? Le stream est pas pompette. Oh, mais oh, ça va aller, oui. Pas ça que je voulais faire. Je voulais reboot complètement. Parce que je sais pas sortir d'un niveau de Yoshi's Story. Tout simplement. Mais je vais commencer quand même par le niveau 1, pas par le niveau 3. Je sais même pas ce que c'est le Smile Meter. J'aime bien cette musique. Des raisins. Donc il me semble qu'il y a 30 fruits de chaque dans tous les niveaux. Et vous voyez, là, j'ai attrapé une pomme comme un con alors que je devais récupérer des raisins. Donc oui, c'était censé être la suite de Yoshi's Island, hein. Thank you.
Ah ben voilà un raisin par exemple. If you eat today's lucky fruit, you'll earn a whopping eight. One more thing, do a grand pound near Shy Guy while you're super happy. Ok, donc déjà, il est préférable de choper des fruits. Les fruits du jour, donc là le fruit du jour on a vu tout à l'heure, c'était le raisin. Bon là c'est très dépareillé ce que j'ai fait hein, mais bon. Et donc du coup il me semble que il faut récupérer. Enfin il faut récupérer. Tu peux avoir des bonus. Je me souviens d'un let's play des Ocarina Knights où il récupérait que des melons. Et en fait je crois que tu as 30 fruits de chaque. Et donc du coup si tu chopes 30 fois du même fruit, ça fait un aspect complétion ou t'as des bonus, je ne sais pas. Bonne nuit du pain, gros bisous à toi. Tchuss. For such pose, you'll see Yoshi's mood and much more. Lucky. D'accord. Oh! Ah, je suis plus deux. J'ai tendance à confondre les touches. Parce que j'ai pas vu 8 ans plus tard. Mais non! Chacun répond quand il peut, n'est-ce pas? Je peux pas monter dessus? Il lui faut quelque chose de spécial, d'accord, mais... Putain, mais il me suit en plus, quoi. C'est quoi son truc spécial, là? There are 4 Mist Warps on each course. Find them and wake them up in other warps. Si d'autres warps are awake, jump on... D'accord, bon, ça explique le principe des warp zones, quoi. Faut les activer pour que, ensuite, quand on trouve d'autres warp zones, on peut se TP à l'intérieur. When a Yoshi is lost, quand un Yoshi est perdu, you'll start from the highest numbers warped. Ok. Non mais en fait j'aimerais bien atterrir dessus, putain. Ah! Thank you.
Non mais... Il y a quelque chose à faire ou... Quelqu'un voit une idée ou c'est vraiment moi qui suis débile? Ouais, parce que là en fait je commence à pas savoir ce qu'il faut faire ici à ce moment T en fait. Je sais, à chaque fois je regarde le chat alors que vous êtes là. Bon. Ce sont des choses qui arrivent, on est d'accord. Pourquoi il reste une banane sur le sol? J'ai pas vu de banane sur le sol. Ah oui. Bah, parce que j'ai oublié de la récupérer tout simplement. Après, je suis pas sûr que ce soit ça qui lui fasse décider. Hein. Alors, je sais pas non plus, il donne pas d'indice le cube. J'ai vu aucun indice par rapport au cube. Pardon. Il y a 4 warps dans chaque course. C'est d'accord, mais je les ai pas encore découvertes. Hein. Pardon. Et après? Pack E won't let you buy unless you give something special a try. Ok, donc il ne laissera pas passer avant qu'on essaie quelque chose de spécial, ça d'accord? Je commence à pas voir. Hein. Putain, ça fait à peine. On est bloqué au bout de 10 minutes, quoi. C'est quand même un peu à la loose, non?
Et qu'on vienne pas me dire que c'est question d'être pompette ou quoi. Hein. Personne ne sait. MK sur... Tu te fais MK sur 64. Tu m'étonnes que ça pique les yeux. Tu as essayé le Mario Kart Super NES? Tu peux pas avaler le truc qui saute. Hein? Mmh. Bah si tu parles de ça, non, pas vraiment. Est-ce que je peux lui jeter un œuf? Je me souviens à propos de Mario Kart, j'avais un rendez-vous avec un mec dans un resto, dans un resto, un bar, pardon, geek, tu vois, un bar où tu as des consoles à dispo. Ah, et c'est là où je me suis rendu compte. Ah, c'est là où je me suis rendu compte. Je suis pas si un bon joueur que ça en fait. On a fait quand même vraiment le Mario Kart Super NES machin. C'est chaud un peu, non? Face à un mur invisible. Ok, je sais. Oula. Est-ce que des fois... Non. Ah, putain. Il y a l'attaque rodéo dans le jeu. Bon bah tant pis, hein. Enfin tant pis. Non, tant mieux, mais bon. Disons que... Mort de lol. Non mais juste un truc aussi simple. Je suis un peu vénère. Parce que je trouve qu'il n'y avait pas vraiment d'indication finalement sur qu'est-ce qu'il fallait faire en fait. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Putain, je sais plus articuler, bonjour. Alors Mother, tu gagnes sur Mario Kart 64? Bref, surprise ball, you can't eat it, but if you use your tongue, you'll be surprised. Wow, alors là, déjà, c'est un méga titre. If you can use your tongue, you'll be surprised. Si tu peux utiliser ta langue, tu seras surpris. Of course. Ouais, ouais. Oh, putain, fais chier. J'espère au moins que t'aies une mauvaise surprise, quoi.
Bah. Je sais pas pourquoi cette pastèque qui a décidé de nous éviter. Melon Race hit the point d'interrogation block and cross the starting line to begin the race. The faster you go, the more. Pardon, the more melons you win at the goal line. Ah, on peut les décaniller, ok. J'ai 7 melons. Et je crois que le niveau se termine du moment qu'on a 30 fruits. Nap time, there are 4 miss warps on each course. Oui, donc ça, on a déjà eu cette boîte de dialogue il n'y a pas longtemps. Titre, carrément titre. If other warps are awake, jump on one to warp to another. When a Yoshi is lost, you'll start from the highest number. Oui, bah ça on l'a déjà lu du coup. Mais du coup, faut savoir vraiment où sont tous les fruits qui t'intéressent. Hein? Quoi? The magic vase. Hop on top and push down on the control stick. Here we go. Ok, donc il faut se mettre dessus et appuyer sur bas. Ok, c'est juste un téléporteur. Ah, Pucci. On a trouvé Pucci. Il nous montrera le chemin. He often stops to sniff a secret. Et il s'arrête souvent pour renifler un secret, enfin pour nous indiquer en fait un secret avec son odorat. Attends. Peut-être que pour le prendre avec nous, en fait, faut enfoncer. Ça, voilà. Voilà. Bon, je ferai un truc pour se soigner, manifestement. Une éclatant grave. Find the special hearts to open other courses on the next page. 3 hearts are hidden in each course. Listen for ring scan. Ok, donc normalement avec le son on est censé pouvoir les entendre quand on passe pas trop loin. Et ça nous aide à quoi? Débloquer des niveaux cachés. Pause your game to see how many hearts you found so far. Bah 1. Même pas. 0? Non. Sérieusement? Attends, parce que par contre là on n'a pas encore exploré le haut. Merde. Oh. Encore un? Merde.
Ah! On commence à avoir pas mal de raisins. Honnêtement, je pense que je vais arrêter une fois qu'on aura terminé ce niveau. Oui, il est gentil le chien. Ah, j'ai plus deux. Oh, quel con! Qu'est-ce que ça a à nous dire? White Shy Guy. Les masques blancs te suivent. Est-ce qu'ils veulent être ton ami? Ça pourrait être un secret, mais. He might know. Ah, il pourrait connaître un secret, mais je ne veux pas le révéler avant que tu ne le sortes de là. Eh ben quoi? A priori, il n'y a juste qu'un objet. It just one more fruit so that the Yoshis can grow happier. Ok, donc il n'y a plus qu'à ramasser un fruit supplémentaire et ce sera bon. Ah bah. Bon voilà. Par contre, on n'a pas que des mêmes fruits, mais ça, il faut connaître un peu plus le jeu pour ça. Ok, Treasure Hunt, c'est fait. Alors là, je crois que c'est un petit peu du blabla pour rien, honnêtement. Merci pour le bravo, Edel. Et je pense que c'est là qu'on va se laisser parce que je commence vraiment à fatiguer en vrai. Donc voilà. C'était une petite découverte, j'espère. On devrait commencer à. On devrait faire, je pense, plusieurs lives dessus. À noter quand même que du coup, il va y avoir bientôt la découverte de novembre qui va arriver. Donc, bah, forcément, people. Forcément, on devrait bientôt se mettre dessus. Il y a déjà trois jeux qui sont décidés pour participer au sondage final. Le sondage 4 est en train d'être fait sur les Discord. Je ne sais pas s'il y a de nouveaux votes dessus. Eh bien, pas trop, mais il semble y avoir une préférence pour Evil Tonight. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à voter pour bah, défendre un petit peu les jeux que vous aimez, les jeux que dont vous pensez que ça peut être plutôt cool. Voilà, pour l'instant on a Don't Touch This Button, Super Monkey Ball Banana Blitz et Panmorphia, pardon. Donc voilà, on a le quatrième sondage qui est en train d'être fait. Bien sûr, YouTube, si jamais ça vous intéresse, hein, si vous pouvez toujours participer sur le Discord qui est en description, le lien est en description. Et en ce moment, du coup, je dévoile jour après jour quels sont les jeux du sondage de la semaine prochaine. N'hésitez pas
à réagir là-dessus en salon live. Et ben voilà, on va pouvoir, je pense, s'arrêter là tranquillement. YouTube, merci d'avoir suivi comme d'habitude. J'espère en tout cas que ce live vous a plu malgré la fatigue. Et on se retrouve de toute façon. J'ai bien voté. Ah, nice Edel, merci. J'ai 500 ans. J'ai besoin de repos. Là, ça fait 2 nuits à 3 heures de sommeil que je m'enchaîne. Comment vous dire que ça commence à être compliqué? Mais au moins, j'ai avancé que la tête tournée. Veux-tu d'avoir suivi le patron Ré? Mais je suis pas bourré. Ah, ça va. J'ai bu 2-3 bières, c'est tout. Mais bon, en vrai, c'est surtout la fatigue qui joue là. Enfin, c'est le combo des deux, je pense. Ce qui fait que je suis pas particulièrement à l'aise. J'espère que ça a été quand même plutôt cool à voir pour vous. Que dire de plus? Pas grand-chose. Du coup, n'oubliez pas, bien sûr, demain, il y a le live Zelda A Link to the Past en random multi avec Ayupa et Edol et Zielki, évidemment. Du coup, est-ce que ça va être comme dans le premier live où tout le monde va me donner des sous? Ou est-ce que ça va être comme dans le deuxième live où j'arrêtais pas de donner des sous à Zielki? Eh ben, vous allez voir ça. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et voilà. Jeudi, je sais pas s'il y aura des lives, mais en tout cas, ensuite, vendredi, il y aura forcément, d'une part, la suite de Zelda Skyward Sword, et d'autre part, il y aura quand même, c'est le jour de sortie de Mario Party Superstars avec un mode multi-online. Donc, j'ai vraiment envie qu'on fasse ça. Je sais que Zielki éventuellement pense le prendre le jour J. Moi, je le prends le jour J. Je ne sais pas. Faudra que Ayupa me reconfirme qu'il a l'intention de se le prendre aussi. Donc, la caméra a été floue pendant quelques secondes, autant que Caltech. Oh, ça va. N'hésitez pas à me dire si jamais vous pensez le prendre le jour J, comme ça on se mettra tous en vocal et on se fera une partie ou deux, ou trois, ou quatre. En multi, franchement, Mario Party Online, enfin, ça fait je sais pas combien de temps qu'on l'attendait et c'est enfin là, donc autant en profiter. Donc voilà, j'annonce les lives à venir mercredi, donc demain, Zielki, Ayupa, Edol et moi-même qui sommes sur Zelda Random Multi et vendredi, Zelda Skyward Sword et Mario Party Superstars. En attendant, je vous fais des gros bisous YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est ce qui veut dire liker que j'ai dit jusqu'à avant. Mais écoutez, ça fait toujours du bien de le rappeler. Mais activez la petite cloche. Je dis tous les trucs relous, je sais. Mais bon. That's YouTube life. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine fois, c'est ça que je voulais dire. Ciao!